بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلمان تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع أنه قال: اقرأوا القرآن وصلوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. ففي هذا الحديث عباد الله التحذير من سؤال الدنيا مما يبتغى يعني به الآخرة. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith authentique. Il nous dit: lisez le Coran et demandez à Allah par le biais du Coran avant que viennent des gens qui liront le Coran, le Coran, et qui vont demander par le Coran aux gens. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela renvoie au fait que la personne, elle utilise des choses de l'akhirah, de l'au-delà, ou des choses qui sont bénies, des choses comme cela, afin de tirer des profits mondains. Cela veut dire que le Coran, كلام الله جل في علا غير مخلوق منه بدا وإليه يعود فإن الله جل في علا تكلم به حقيقة. Vous savez, le Coran, c'est la parole d'Allah جل في علا, c'est la parole incréée d'Allah عز وجل, et Allah جل في علا a véritablement parlé par le Coran. Il a parlé par des lettres. وكذلك جبريل عليه السلام a entendu la parole d'Allah جل في علا. Il y avait des sons, bien sûr. Allah جل في علا كذلك, il parle comme il le veut, c'est lui qui décide, et donc on doit croire en cela. Et donc le Coran, c'est quelque chose de que la parole d'Allah جل في علا béni et sacré, et tu ne peux pas l'utiliser pour un profit mondain. Mais il viendra des gens où le Coran, ils vont le réciter ou bien ils vont l'exploiter afin de pouvoir, par son biais, demander à des gens des intérêts ou des affaires mondaines. Et cela fait partie donc des choses mauvaises qui sont blâmables. Et c'est une mise en garde, puisqu'Allah جل في علا te dit: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Celui qui désire l'au-delà, n'est-ce pas, et qui fait des efforts en essayant de se consacrer dans sa vie à faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'au-delà, Allah Jalla Fi'ala va le récompenser en conséquence des efforts qu'il a fait, et d'une bonne manière. En conséquence, d'une bonne manière, subhanallah. Et donc à partir de là, wa ma yurid yani thawab ad-dunya nu'ti minha wa ma yurid thawab al-akhirah nu'ti minha wa sanajzi ash-shakirin. Allah Jalla Fi'ala nous dit: celui qui veut les bienfaits de ce bas monde, nous allons lui donner. Celui qui veut les bienfaits de l'au-delà, nous allons lui donner. Et nous allons récompenser en conséquence ceux qui ont été reconnaissants. Pourquoi est-ce que Allah جل في علا nous cite deux cas de figure, ceux qui veulent l'au-delà et ceux qui veulent ce bas monde, et après qu'elle dit, eh bien nous allons récompenser Shakirin, ceux qui sont reconnaissants? Pour dire que Allah جل في علا va te donner ce que tu veux. Allah, il va te donner ce que tu veux. Mais par rapport à ce que tu as, il va voir est-ce que tu vas être reconnaissant ou ingrat. Est-ce que tu vas être reconnaissant ou ingrat? Et cela, Allah جل في علا fera la différence à l'heure du qiyama. C'est pour ça qu'il te dit: attention, اقرأوا القرآن. Le prophète te met en garde: اقرأوا القرآن وصل الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. Prends garde au fait que ce Coran, tu dois le lire, le réciter, tu dois vouloir بالقرآن rechercher l'au-delà, la récompense divine, que tu dois te rappeler, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, tu dois la vivre et la mettre en pratique. Mais tu ne dois pas, à travers le Coran, rechercher les bienfaits de ce bas monde. En mourad donawiyah, par le Coran, tu vas rechercher et tu vas demander aux gens des choses comme cela. Tu ne dois rien demander par le Coran, comme aussi cela nous renvoie à une faïda, à une bonne leçon. Vous savez, des fois, on entend des gens dire: moi je vais, tu prends le Coran, on va jurer. Allez, prends le Coran, on va jurer. Jure pas le Coran. Je suis comme cela. C'est vrai ou pas? C'est connu. Allez, je suis. Donc, le Hajj me dit que ce n'est pas permis. Pour vous, on peut jurer par le Coran ou pas? Non.
Allah. Voilà. On ne jure que par Allah. Mais il y a des gens, des fois, vous avez dit, ramène-moi le Coran. Hein, je vais poser la main dessus. Je vais halaf mal le Coran. Je vais jurer par le Coran. Comme quoi, vraiment, c'est sacré. En réalité, même si c'est la parole d'Allah, j'ai les fi'ula. C'est la parole d'Allah, azawajal. Min sifatillah, subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les attributs d'Allah, azawajal, n'est-ce pas, le Coran. Mais les ulama te disent, normalement, ce n'est pas permis. Tu n'as pas le droit de jurer par le Coran. Tu ne jures que par Allah, j'ai les fi'ula. Tu ne jures parce que c'est seul Allah, j'ai les fi'ula, qui mérite que tu les prennes comme témoin pour jurer. Et donc, cela, beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, ils prennent le Coran, ou ils prennent quelqu'un en disant, voilà, ramène le Coran, je vais jurer devant le Coran. Comme le fait certaines personnes, quand ils disent, ramène-moi le code civil ou autre, on va jurer. Comme au tribunal, des choses comme cela, par le code civil. Tu vois, c'est pas la même chose pour le Coran, parce que c'est un attribut d'Allah, j'ai les fi'ula, et toi, tu ne dois jurer que par Allah, j'ai les fi'ula. Et c'est comme ça qu'un ulama, eh ben, il te rappelle que c'est de la même manière. Cela doit t'amener à quoi? Eh bien, comme on l'a expliqué aujourd'hui aussi pour ceux qui étaient là, à la khutbah, en fait, c'est-à-dire le fait de la piété. Tu dois, bil Qur'an, rechercher l'au-delà, l'akhirah. Tu dois implorer Allah, jalla fi'ala, par le Qur'an. Tu dois demander le bien. Par exemple, les ulama te disent, c'est quoi, qu'est-ce que veut dire, hein, sallallahu bihi, yani bil Qur'an. Qu'est-ce que cela veut dire? Je demande à Allah par le Qur'an. Eh bien, quand par exemple, certains ulama te disent, lorsque tu lis des versets de Ar-Rahman, de la miséricorde, eh bien tu demandes à Allah jalla fi'ala qui t'accorde la miséricorde. Quand tu as des versets sur Al-Adab, eh bien tu demandes à Allah jalla fi'ala qui te protège de l'Adab. Quand tu as des versets sur ceci ou cela, tu demandes à Allah jalla fi'ala. Quand tu as des invocations, bel Qur'an, tu espères que Allah il les exauce pour toi. Tu vois? Là tu demandes à Allah jalla fi'ala bel Qur'an. Mais si tu fais le contraire, le Qur'an, tu l'utilises pour demander aux gens, ça peut être de différentes manières. Comme par exemple des fois je vais te dire, vas-y, viens à la maison, récite-moi du Coran, grâce à cela, pour des morts ou des choses comme cela et tout. Et bien des fois, là, tu es en train de faire quelque chose qui, à la base, déjà n'est pas permis, puisque les ulama ne te le permettent pas cela. Puisque le Coran, à la base, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour l'amouat, c'est pour les vivants, le Coran. Celui qui va en tirer profit, c'est celui qui est vivant, parce qu'il va le mettre en application, il va le comprendre, il va le méditer, il va le lire, il va le réciter. Mais quelqu'un qui est dans sa tombe, peut-être que, comme te disait l'ulama, certaines personnes peuvent, binniya, as-saliha, avec une bonne intention, taqra al-Qur'an, toi tu vas réciter le Qur'an, en espérant que ta récitation, eh bien tu puisses en faire profiter donc, à un défunt. Mais dans ton intention, ce n'est pas dans le sens que tu vas réciter vers lui, tu vas réciter près de lui, ou tu vas aller près de sa tombe, des choses comme cela, tu vas réciter. Mais c'est dans ta récitation personnelle, finniyatique, dans ton intention, tu vas dire, moi, cette récitation, dans mon cœur, j'aimerais que tel défunt de chez moi en profite, par exemple. Il se peut qu'Allah, j'ai les fi'ula, il te compte cela, tu vois. Donc, alhamdoulilah, il y a le bienfait du Qur'an. Et comme te l'explique al-ulama, dans une parole, ils te disent quoi? Al-Qur'an fadluhu kabir. Fala yanbighi lil'abd an yatluba bil-Qur'an shay'an min al-nas. Bal yatlubu min Allah jalla fi'ula. Le Qur'an, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azzawajal. Et aussi ce Coran, il est demandé à ce que l'adorateur d'Allah Jalla Fi'ula, il demande à Allah eh bien, des choses qui vont lui être bénéfiques. Bel Coran, hein, min al-khayr, ad-dunya wal-akhirah. Tu peux par le Coran, tu récites le Coran, tu médites le Coran et tu espères du Coran. Cela, ça va être des bienfaits pour toi. Mais tu ne dois pas rentrer dans le fait de l'utiliser pour les gens. Des choses comme cela, tu vois? Comme souvent aussi, des gens oublient, le principe dans le Coran, ce n'est pas simplement de le réciter. Tu le récites ou bien tu l'apprends comme cela. Eh bien, il y a, tu vas le méditer, le réfléchir, pour que tu le mettes en pratique. Lorsque Aïcha disait du prophète, son comportement était le Coran. Est-ce que cela voulait dire qu'il était un Coran comme cela, qui marche? Bah presque, dans le sens où, dans ses paroles, dans ses paroles, dans ses actions, dans son comportement, il était le Coran. Il était comme un Coran vivant dans sa façon de mettre en pratique le Coran. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence. Ce n'est pas simplement le Coran, tu le lis et puis tu ne fais pas attention à ses ahkam, à ses règles et autres. Notamment par rapport au fait de qu'est-ce que Allah, il t'ordonne, bil Coran. Qu'est-ce qu'il te demande de mettre en application, bil Coran. Et c'est pour ça que le prophète Sam te disait quoi? El Quran, hujjatun lak aw alek. Ce Coran, il va être une preuve pour toi ou une preuve contre toi. T'imagines le Coran que tu récites, le Coran
que tu apprends des choses comme cela, que tu écoutes et autres, eh bien, il va être une preuve pour toi ou contre toi. يكون يعني بتلاوته والعمل به حجة على صاحبه ليوم القيامة. Ce Coran, il sera en ta faveur si celui-ci tu l'as lu et tu as mis ce que tu as lu en pratique. Là, pour toi, le jour de la résurrection, eh bien, il sera en ta faveur. Il viendra se présenter pour intercéder pour toi. En disant Allah, Jalla Fi'ala, Ya Allah, kada kada. On a fait déjà un rappel sur cela. Mais aussi, le Coran, il va être une preuve contre toi, bien sûr. بترك يعني دون عمل أو تلاوته كذلك حجة على صاحب اليوم القيامة. Celui qui aura délaissé sa récitation ou qui aura délaissé sa pratique, le Coran deviendra pour lui une preuve contre lui, malheureusement. C'est comme cela que moi je rappelle souvent aux jeunes quand on discute, les enfants, les jeunes ou autres, en leur disant attention, parce que tu es jeune, tu es pris par les activités, tu aimes t'occuper. Mais il faut que chaque jour, au moins, tu lises un peu du Coran. Mais ne serait-ce qu'un seul verset. Au moins le soir, avant de te coucher, lis au moins un verset. Pourquoi est-ce que le matin, quand tu sors de chez toi, tu ne prends pas un verset, tu prends un verset, soit tu le mémorises ou autre, tu dis je vais sortir avec ce verset et je vais le méditer ou le répéter ou comprendre un peu ce verset. Au moins que je tire une faïda, une leçon, tu vois, dans ma journée du Coran. Parce que ce Coran-là, ibadallah, Allah Jalla Fi'ala, il a fait de ce Coran un guide pour qui? Pour celui qui le craint. Hein, pour celui qui le craint. Pas pour tout le monde. Dalikal kitab la rayba fi huda lil muttaqin. C'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute, mais c'est un guide pour qui? Pour celui qui le craint. Celui qui ne cherche pas à trouver la guidance ou autre bil Coran, qui pour lui, c'est un livre comme les autres, il va rien prendre du Coran. C'est comme celui qui prend un dictionnaire. Tu prends un dictionnaire. Quand tu prends le dictionnaire et tu lis les mots après, les uns après les autres comme cela, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que veut dire ceci, cela? Cela ne veut rien dire. Mais si toi tu sais composer des phrases et que tu sais utiliser, n'est-ce pas, les mots que tu lis dans le dictionnaire, eh bien forcément tu sauras comment l'exploiter le dictionnaire, n'est-ce pas? Eh bien celui qui va lire le Coran sans chercher à comprendre ce que Allah Jalla Fi'ala te dit, toi tu vas te dire oui, Allah Azza wa Jalla nous rappelle des récits, nous les répète, des choses comme cela. Il y a beaucoup de choses comme cela, mais on oublie à quel point. Vous avez vu quand Abdullah ibn Saoud radhiyallahu anhu qu'il expliquait taqul haqqa tuqati an yuta' wa la yuhza wa yuzkar wa la yunsa wa yushkar wa la yakfur, tu vois? Haqqa tuqati yani haqqa taqwa. Imagine un verset comme crains Allah véritablement, il te le traduit comme étant le fait d'obéir à Allah et de ne pas lui désobéir. Le fait de te rappeler d'Allah et de ne pas l'oublier. Le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah et de ne pas faire preuve d'ingratitude. Pour lui, cela voulait dire faire preuve d'une véritable piété. Comment tu l'aurais deviné cela si tu ne rentrais pas dans les profondeurs des versets, tu vois, la méditation des versets, parce que c'est un ensemble de versets. Comme cela, le Coran, ibadallah, il devient pour toi soit yani, une preuve donc en ta faveur ou soit une preuve contre toi. Et cela, il faut faire attention. Quand beaucoup de personnes, même des fois, et souvent on le voit dans la famille, dans le couple, hein, les histoires de couple, combien de personnes qui viennent comme cela à l'institut, à la mosquée, pour avoir des réponses. À la maison, pourtant, alhamdoulilah, ils lisent le Coran. Des fois on me dit, oui, mashallah, il apprend ceci, il apprend cela, mashallah. Des choses comme cela, extraordinaires dans les efforts. Mais lorsqu'il y a une dispute, il y a un désaccord, et bien là, il y a la colère, un divorce, comme cela, je l'ai prononcé. La personne, elle prononce comme cela, un divorce. D'entrée de jeu, ou quand elle veut pas divorcer, alors que il fait ou elle fait ou il y a un problème dans le couple, eh bien il divorce pas, mais en même temps il respecte pas les règles du mariage, respecte pas l'hakam ou le hudud, ainsi de suite. Il manque à tout par rapport à cela et il oublie alors tout ce que tu récites dans le Coran, tout ce que tu récites dans le Coran par rapport au fait de respecter bil ma'aruf, les respect, de te séparer bil ma'aruf, des choses comme cela. Tu dois faire les choses dans le bien, tu récites le Coran et tu l'appliques pas dès que tu as un problème. Dès qu'il y a un désaccord, il n'y a plus d'entente. Pourtant, Allah Jalla Fi'ala, il te rappelle, en cas de désaccord, voilà, voilà. En cas de divorce, de telle ou telle manière, tu le cites, tu le répètes, tu connais même des fois les sourds, tu les connais bien, très bien même. Mais, dans la réalité, dans le contexte réel, tu oublies tout cela. Donc là, tu comprends, la véritable crainte, c'est quoi, hein? Il se rappelle, il n'oublie pas. Allah Jalla Fi'ala, tu vois? Et surtout, il n'est pas. L'ingratitude, c'est quoi? Qu'est-ce que l'ingratitude? Hein, tu vois,
فاذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفرون. C'est quoi le fait d'être ingrat? Pour terminer sur cela, c'est quoi le fait d'être ingrat? C'est pas le fait simplement, tu dis oui, mon argent, je le donne pas, je suis pas, voilà, je garde ça pour moi. Non, la gratitude, tu sais, c'est quoi? C'est le fait que tu saches ce que Allah Jalla Fi'ala t'ordonne. Tu connais tes obligations vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Et lorsqu'il faut que tu les mettes en application, tu ne le fais pas. Ou bien comme l'exemple que je donnais. Problème de couple, toi, tu sais ce qui se passe dans le Coran, tu connais les règles et tout. Donc, alhamdoulilah, tu es reconnaissant, tu adores Allah Jalla Fi'ala. Mais dès qu'il y a un problème, c'est fini, tu oublies tout. Tu oublies tout. Il n'y a plus possible. On peut même plus te raisonner. On ne peut même plus te raisonner. Donc, Ibadallah, faire attention que ce Coran, dans le mois du Coran, dans lequel tu entends le Coran et que tu récites, que tu apprends comme cela, attention que ce Coran, pour nous, ne devienne pas une preuve contre nous. Fais en sorte que ce Coran soit une preuve pour toi. Et cela par rapport à tous les sujets, la prière, le sadaqat, les aumônes, dont tu connais le grand bénéfice et le grand mérite, et ainsi de suite, le fait de l'union, d'être uni, d'être... tous les bienfaits qu'Allah Jalla Fi'ala, il te mentionne dans le Coran et que toi tu lis, que tu sais, mais que tu n'appliques pas dans la réalité. Tu vois, tu n'appliques pas dans la réalité. Attention d'être un lecteur qui devra rendre des comptes de ce qu'il a lu. Prends garde d'être un lecteur qui devra rendre des comptes de ce qu'il a lu. Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala.